Et bonjour à tous, c'est Vince pour un déballage de produits atomiques aujourd'hui. Je vous déballe le nouveau châssis pour MRZ. Donc le MRZ UP029, donc c'est un châssis en aluminium, hein, 70-75, et avec des contrepoids afin d'alourdir le châssis ou de régler ses masses comme on le souhaite, un peu plus à l'avant, un peu plus à l'arrière. Je vous déballe ça. Donc nous avons le châssis en alu qui est quand même ultra léger, hein, d'une épaisseur ça a l'air pas loin de 1,5 je pense. C'est du 1,5, épaisseur 1,5, et vous avez les 6 contrepoids avec toutes les vis. Il y en a une chier plus 15 des vis, donc vous aurez le droit d'en perdre. Mais pas de foirer les filetages, évidemment. Donc ce châssis viendra prendre place à la place de celui-ci, qui est en laiton, qui est plus lourd. Exactement comme ceci. C'est en fait, c'est exactement les mêmes formes. Donc le châssis sera dans ce sens. Tous les trous sont identiques. S'il y a quelque chose qui change, je vois que là on avait des lumières ici. Pour les fixations cerveau, ce sera des trous fixes maintenant. Quoi d'autre qui change? Bah, pas grand chose, hein. Il y a ces deux rainures que je sais pas trop à quoi ça sert. Mais voilà pour ce châssis avec ses contrepoids pour MRZ. Allez, salut, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, activer la cloche, etc. Le pouce, des commentaires, hein, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Salut, bye bye.